Et salut à tous, c'est Colonel Zendrak. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de mon Let's Play sur Hollow Knight. Alors la dernière fois, on s'était arrêté ici à Dirtmouth, sur le banc. J'ai deux trois trucs à vous dire. Déjà, c'est que je vais faire en sorte que la qualité vidéo soit réellement augmentée, parce que la dernière fois j'avais dit qu'elle serait améliorée, alors que pas du tout en fait. J'ai découvert que YouTube, pour encoder certaines vidéos en 4K, avait besoin d'un certain format sur Filmora, le logiciel que j'utilise. Donc maintenant, je vais devoir faire ça. Mais le seul petit bémol, c'est que je vais devoir. Ça va me prendre un temps fou vu que l'upload est extrêmement long avec ce genre de format. Bon, c'est pas si grave. Il faut juste patienter, mais ça veut dire que inévitablement, mes vidéos sortiront moins rapidement l'une de l'autre. Ce qui est normal. Donc la dernière fois on s'était arrêté ici, j'avais récupéré ça, la boussole murmurante et le Capturam, un charme utilisé par les chamans pour puiser davantage d'âmes du monde qui les entoure. Donc ça permet, je suppose, de démultiplier l'affluent d'âmes, si je puis dire. Boussole murmurante, ah très intéressant. Attendez, je mets ça. Ah, et j'ai des emplacements, regardez. Là je viens de mettre ça, regardez. Regardez en haut à gauche, je viens de mettre ça et du coup j'ai des emplacements. Là, celui-là ça coûte 1 et celui-là ça coûte 2, donc je peux en mettre que 3 pour l'instant. Et lui, je peux pas le mettre, donc ça me limite à une petite quantité de charme ou compétences. Oui, je pense que dans le jeu on pourra augmenter sa capacité à en transporter plus sur soi-même, mais bon. Bon, ça c'est fait, j'ai le blason de la ville, j'ai la carte. Du coup maintenant je peux me voir sur la carte normalement. Ouais, voilà. Alors oui, ce que je voulais faire dans le dernier épisode mais que j'ai pas pu faire vu que je commençais à être limite dans le timing. Et comme je vous l'ai pas dit, j'ai essayé de faire des vidéos de moins en moins longues pour que l'upload soit plus simple. Inévitablement j'ai pas trop le choix. Alors par contre j'aimerais bien me prendre la plume du coup si vous voyez souvent mettre des coups aux bestioles, c'est normal. Alors oui. Du coup je disais, je voulais aller dans la zone de verdure, vert chemin ça s'appelle il me semble. Ben écoutez, hein, c'est parti hein. Je suppose que c'est un nouveau biome, regardez, il y a des plantes partout. Bon, pas partout. Regardez, il est là, on va procéder à la même technique que la dernière fois. Hop là. Ok. Et il nous balance des ennemis pour se régénérer en âme. Donc c'est pas mal. Hop là. Et voilà. On l'a battu. On peut enfin accéder à cette petite zone. Bon. Maintenant que cela est fait. Bah on va y aller, écoutez. Ben c'est parti. Alors là il y a de l'acide apparemment. Donc je vais pas y aller dedans. J'ai pas envie de me crever. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a en haut là? Hop là. Bon, y'a rien. Je vais aller en bas. Ah, et l'ambiance change, c'est beaucoup plus bruyant. Ce qui est assez intéressant, hein, j'ai envie de dire. Y a aucun ennemi pour l'instant, c'est assez paisible. Du coup, la zone ouest s'appelle Vert Chemin ou Green Path en anglais. Voilà. Donc bah, on a l'intitulé, hein. Écoutez, c'est parti, hein. Aventurons-nous dans la verdure. Hein. Alors attendez, j'ai pas vu ce qu'il y avait en haut. Ah, je peux pas faire mon pot. Alors il y a des petites bébêtes. Oula, des petites bébêtes. Qu'est-ce qu'il y a là? Oula, est-ce que ça me fait des dégâts? Là, je pense. Hein. Ouais, de toute façon, je pouvais le tuer, alors ça devait me faire des dégâts, je pense. Hein. Ok, j'ai vu qu'il y avait un ennemi là-haut. Mais. Oula. Ah là, mais non, mais quel nul. Attends, je vais me régénérer parce que je suis un peu dans le mal. Hop là. D'accord. Hop là. Attends, je récupère mes pièces. D'accord, en fait, quand tu butes, c'est. Quand tu les butes, eux, bah, ils ont une.
espèce de capacité à exploser en fait. Bon. Voilà qui est fait. Je vais continuer à m'aventurer dans la zone. Voilà pour le titre de la vidéo, je pense que je vais mettre la nouvelle zone de la verdure. Pourquoi pas hein. Ok, lui il excuse pas vu qu'il a pas de truc orange sur lui je pense. Bon, j'ai pas pu récupérer cette pièce. C'est dommage. Ah là là. Ah et oui je me suis acheté un nouveau micro, il va arriver dans quelques jours. Hein. Demain il me semble. Ouais. Demain à partir de cette date là. Petit micro sur pied, tout simple. Hein. Et j'espère avoir une meilleure qualité son avec. Bon, il y a une zone secrète. Ah bah voilà. Oula! Oh putain, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Et on peut le taper. Et par contre, on peut pas le taper quand. Oula! Voilà. Donc, c'est des petites bébêtes, d'accord. Donc, du coup, d'accord, c'est une difficulté en plus, j'ai envie de dire. Hop là, attendez, je suis pas monté là-haut. Ok, il y en a un là. Apparemment, il y aurait des trucs intéressants dans cette zone. Pauvre bête, j'ai débuté. Je vais monter en haut, je vais voir ce qu'il y a. Alors oui, maintenant j'ai une carte. Ah non, j'ai pas de cette carte. Ah voilà, bon, un banc. J'ai pas la carte nécessaire pour cette zone. Bon bah c'est parfait, il y a un banc. J'ai toujours pas la carte. La plume que j'ai vue dans certains gameplays, en fait, ça permet de... à son utilisateur, enfin à son porteur, pardon, de pouvoir rédiger la carte carrément. Du coup, si on passe par exemple par le passage où je suis, et eh bien je peux l'écrire sur ma carte et après quand je monte sur un banc, ça met à jour la carte en fait, c'est plutôt pas mal. Mais en contrepartie, je dois quand même acheter des trucs à cornifère, cartographe. Hop. Je fais des économies un peu pour la plume. Qui coûte 150 d'OGO, s'il me semble. Je sais pas, j'ai regardé plus tard. Hop là, y a rien là. Il y a une nouvelle bestiole ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah... Ah merde, elle s'enfuit! Reviens! Ah non, je peux pas sauter, c'est nul. Bon. Je sais pas ce que je veux aller en bas, écoutez. Hein. Oui, aïe, oui. Alors lui, il te fonce dessus. Eh maintenant, trop loin. Hop là. Ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah bah il y a des géos. Bah parfait hein. Et franchement, moi je pense que dans le prochain épisode, on pourra très bien s'acheter la plume. Hein, j'ai envie de vous dire. Hein. J'ai envie de voir ce qu'il y a derrière. T'sais. Hop là, argent. Voilà. Hop là, on descend. Oh là là, cette chance. J'ai cru que j'allais atterrir dans l'acide. Et en plus, je croyais qu'il allait me prendre le monstre. Quoi. Je suis pas très tenté, on va dire. Alors attendez, avant d'aller à... Oh là là. Avant d'aller à droite, j'explore un peu la zone. Donc c'est une voie à sens unique, comme on dit. Attends, franchement, les graphismes, ils sont juste exceptionnels. Et vous savez que tout ça est fait à la main. Hein. Tous ces petits dessins, toutes les feuilles, tout ça c'est fait à la main. Et ça, je trouve que c'est incroyable et que c'est pas assez fait dans les jeux. Ou soit je suis un peu aveugle, mais... Et bon, voilà, quoi. Hop là, m'a donné son argent. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux le couper? Je peux le couper non? Ah d'accord. Ah et donc voilà, ça me permet de... D'accord. Parce que si je l'avais pas fait... Ah en vrai, s'il était passé, j'aurais pu le... S'il était passé, j'aurais pu l'écraser en vrai. Oula. Ah bah j'ai failli refaire mon erreur. On va passer par là. On va passer par en haut.
allez, on connaît la musique. Hop là. Oh, regardez, regardez. On va attendre qu'il passe en dessous. Le pauvre. Il a pas pu vivre très longtemps, on va dire. Ah, ben regardez qui voilà. Je sais pas si vous avez entendu, mais il y a notre cher cartographe qui chante. Et ben c'est parfait. Alors on peut accéder ici, endroit par lequel on pouvait pas accéder auparavant. Ok, d'accord, on peut sauter comme ça. Je vais aller voir Conifer, je vais acheter sa carte. Et puis ce sera bon, écoutez. Hein. Hop là, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, parfait. Cet endroit est un véritable contraste comparé aux routes oubliées, si humides et animées. Ces routes sinueuses sont une merveille. J'ai fait de mon mieux pour cartographier cet endroit, mais je dois bien admettre que certains des habitants de cette région se sont avérés être une véritable nuisance. Voulez-vous acheter une carte de la région? Tout à fait, pour 60 JO. Bah c'est parfait. J'entends une larme par contre. Je peux pas accéder à cet endroit. Ok, je peux pas accéder à l'endroit. Je dois peut-être montrer par là, je pense. Ah non, d'accord, c'est bien ce que je pensais. Hop là, heureusement que j'y suis avant parce que si on reprenait ses fans des gars, j'aurais pu me faire buter. Y'a quoi en bas? Ok, on revient par là. On est déjà 11 minutes. Non, 12 minutes. Je vais essayer d'atteindre les 15 minutes et puis après je vous laisse. Faut vraiment, je vous ai dit, hein, faut vraiment que je limite mes vidéos. Je peux pas me permettre de faire des vidéos trop longues. Parce que comme je vous dis, sinon l'upload est vraiment infâme et beaucoup trop long. Voilà, ça c'est fait. Et on est des espèces de dents. Je sais pas, ça annonce un boss peut-être. Allons regarder ça, hein. Alors qu'y a-t-il? Ok, la musique change. D'accord, est-ce que c'est une porte? Ah, attention, je m'éloigne, je pense que ça va m'attaquer. Hein. Non? Ça m'attaque pas. Attendez, par contre je me soigne parce que j'ai pas envie de me faire piéger. Ce serait bête. Le chasseur, petit ver, vous approchez sans peur. Êtes-vous un chasseur comme moi? Approuvez-vous le besoin de traquer, de tuer et de comprendre toutes sortes de choses? Alors prenez-le, mon journal, cela pourra vous aider. À première vue, le texte semble compliqué à déchiffrer, mais un chasseur expérimenté peut en comprendre les mots. Très bien. Parcourez les profondeurs de cette terre et tuez les bêtes qui s'y trouvent. Montrez-vous digne de porter la marque du chasseur. D'accord, il a craché sa petite marque. Hop là. Ah bah non, c'est son journal. Le journal du chasseur. Intéressant. Appuyez sur... Ok. Et ça sert à quoi? Ah, c'est excellent. En fait, ça te montre les... What? Ça te montre toutes les bestioles que t'as tuées depuis le début. Ah bah c'est intéressant. Bah au moins on a leur nom, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Faux chevalier, bah tiens, c'est notre premier boss. Baldur, ancien Baldur, d'accord. D'accord. Ombre, l'écho d'une autre vie. Il vous faut la vaincre pour reprendre votre pouvoir et redevenir entier. Nous laissons tous une trace de notre existence quand nous mourrons. Une tache dans le monde. J'ignore pendant encore combien de temps ce royaume pourra supporter le poids de tant de vies passées. Eh bien moi, je ne sais pas. Je vais essayer de vite fait trouver un banc parce que, comme je vous l'ai dit, faut vraiment que je me limite dans le temps. Je sais, je suis désolé d'insister sur ça, mais... Vraiment c'est primordial, hein, si vous voulez que je garde un bon rythme de vidéo. Et puis que le temps de upload ne soit pas très long. Hein.
Oh là là, c'est pas vrai. Bon, c'est sûr, je peux pas accéder par là. Hein. Lol. Hop là. Ok, donc je peux pas aller là-bas. Eh ben, c'est génial. C'est parfait, ça. Attendez. Ouais. C'est bien ce que je pensais, ouais. Parce que regardez, quand on tape les pics, ouais. C'est ce que vous avez montré dans le premier épisode, il me semble. Voilà. Bon, ça a pas servi à grand-chose, hein. C'est juste pour une larve. Hein. Au pire, le padre, il me donnera... Le père larve, il me donnera de l'argent, mais bon. Je peux vraiment rien faire d'autre ici. Ouais. Attendez, apparemment il y a un autre truc en haut là. Bon, faudrait que je redescende par là. Hein. J'ai légèrement peur, on va dire. Oh là là, mais non. Quel nul. Je peux reprendre mon âme. Parce que. Ouais, non. Bon, en fait, parce que quand on les a déjà utilisés, on peut plus réutiliser. Ça rajoute une autre difficulté encore. Ok, t'es là toi. Me demandez pas pourquoi j'ai voulu la taper. Hein. Hop là, non, j'ai pas envie de mourir. Je veux pas. Je vais aller à droite. Oh là là, un banc. Super. C'est exactement ce que je cherchais quoi. C'est parfait. Et c'est ici aussi que je vais devoir vous quitter. Alors l'épisode est beaucoup plus court, vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez que je fasse des épisodes plus longs ou plus courts. Plus courts, pardon. C'était pas français ce que je disais. Voilà quoi, ça fait déjà 17 minutes. Ce fut un plaisir. Bon allez, au revoir et à l'épisode 4.